Bonne arrivée, gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, grâce au Dieu de Papa Florian, vous étiez très enceinte. C'est le fruit qui est là. On ne va pas tergiverser. C'est le fruit qui est là déjà. Voilà, cette belle petite fille, parce que le Dieu de Papa Florian vous a donné le mariage. Il vous a donné la grossesse. La grossesse. Le voyage. Le voyage. Et vous êtes partie, vous êtes revenue lui présenter le fruit. Bien. Voilà, allons-y. Voilà, papa a déjà tout résumé. Puissance 7. 7. Voilà, je suis venue quand j'ai reçu mon. Quand j'ai connu le chemin du ciel, tout s'est bien passé. Bye bye. Et j'ai eu le voyage, comme papa l'a dit, la grossesse et le mariage. Et j'ai accouché. Je n'ai pas pu faire le témoignage. Je voulais moi-même venir pour présenter la petite. Oui. Pour vous dire que le Dieu de Papa Florian, ce n'est pas un fake. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Elle s'appelle Jade. Jade. Pas les gros français, c'est pour ça que papa a dit de venir. Donc c'est le fruit qui est là. Voilà. On bénit le Dieu de Papa Florian. Une belle petite fille. Une Jade, très, bonjour. Très belle petite fille. Jade, bonjour. Voilà. Dis bonjour, pépé. Donc c'est pour vous dire qu'avec Dieu de Papa Florian, on ne tape jamais poteau. Il est vrai, il est réel, il est sûr. Accrochez-vous, même si c'est dur, accrochez-vous. Parce qu'avec lui seulement là, tout va comme sur des roulettes. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Frères et sœurs, comme je disais, je vais vous exhorter. C'est vrai, souvent, on a tendance à voir nos parents directs, qui sont comme nos... Je ne dis pas que la société n'existe pas, ça existe. Les parents peuvent être notre obstacle, comme des amis, comme les gens qu'on rencontre dans la vie. Et c'est ce qui m'est arrivé en Europe. Si je n'avais pas le Dieu de Papa Florian, je ne sais pas si aujourd'hui, je serais toujours dans ce foyer que j'ai. Parce que c'est une dame qui était avec son mari en Afrique depuis 15 ans. Ils se sont mariés, elle a marié un Européen aussi, ils ont eu des enfants, deux enfants. Arrivée en Europe, sa vie a dégringolé. Les médicaments qu'elle faisait, ça ne marchait plus. Et actuellement, ça continue, puisqu'elle cherche une solution. Donc moi, comme elle vend les choses africaines, moi je vais pour acheter les choses africaines chez elle. C'est comme ça qu'elle a commencé à sympathiser. Un jour, je m'en vais, mettre un sachet, elle me dit, tiens, c'est pour toi. Et moi, je prends le sachet. Il y avait une paire de chaussures neuves, un kilo d'oignons, avec des pommes de terre, des trucs même. Et je dis, mais c'est pourquoi? Pourquoi tu me donnes ça? Elle me dit, non, tu es gentil. Donc c'est pour ça que je te donne. Et moi, automatiquement, ça m'a fait un déclic. Je dis, mais c'est sur moi que tu me fais ton sraka. C'est comme ça que je lui ai dit ouvertement. Elle me dit, mais c'est ce que mon marabout m'a dit. Mais comment même que j'ai fait là, mais tu as gâté. Tu as gâté mon médicament. Pourquoi même tu parles? Hein? Je ne prends plus. Je t'ai donné, fais ce que tu veux faire ça, moi je ne prends plus. Elle me dit, c'est pas, tu me donnes un truc, je te dis, moi aussi je ne prends pas. Elle me dit, non, elle est dans les pays de la sous-région. Là. Elle me dit, nous chez nous c'est normal. Je dis, oui, chez vous c'est normal. Mais nous, chez nous, ce n'est pas normal. C'est vrai, nous sommes des Africaines, mais ce qui est normal, je ne peux pas être normal chez moi. Oui. Et moi, chez moi, ce n'est pas normal. En tout cas, on s'est chamaillé, on était devenus même comme des chiens et chats. Elle m'a dit qu'elle ne prend pas. Donc, le colis était devenu un bagage de ma mère, puisque j'avais déjà pris. Donc, en sortant, il y a des gens qui m'ont dit, vous allez voir, je me suis débarrassée et je suis rentrée chez moi. En tout cas, j'ai dit vraiment merci au Dieu de Papa Florian. Parce que. Le sang de Jésus. Voilà, parce qu'il m'a permis d'avoir. J'allais être son temps. Voilà, il m'a ouvert. Non, j'allais me séparer. Voilà, puisque son mari, elle a perdu son procès. Son mari veut l'arracher les enfants. Tout c'est bien. Elle a tout perdu. Quand Dieu, on était comme ça, elle est tombée. Elle n'a plus rien, rien, rien. Et j'avais une amie qui dit, mais pourquoi c'est à Sandrine forcément que tu veux donner ce truc? Elle dit, mais quand je regarde, c'est elle, son mari, toujours son mari l'appelle. Ça veut dire que, je ne sais pas. Je dis, mais ça, prendre voilà. Grâce, là. Voilà. J'ai dit, mais ça fait à peine 2 ans de mariage. Moi, ça fait à peine 2 ans. Ça fait 15 ans. Tu as vécu comme, oh, c'est toi. Pourquoi c'est moi? Tu connais, elle est partie en France avant moi. Tu connais tout le monde là-bas. Pourquoi c'est moi? En tout cas, on s'est chamaillé. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu parfois a permis que tout se passe bien. Moi aussi, ça m'a ouvert les yeux. Mon mari, même qui n'est pas chrétien, là, il m'a dit, je ne veux plus jamais que tu ailles. Même si tu as même des moyens de manger africain, il faut laisser. Il ne faut plus partir payer manger africain. Je ne veux plus même entendre. Quand tu es chez les blancs, c'est africain. Ah, blanc. Moi, il y a ma fille. Ma... Tu es chez les blancs, là, où tu as moyen de manger des blancs. Moi, il m'a dit que tu as moyen de manger des blancs. Tu t'en prends les tomates. Voilà, donc c'est ça. Les graines. Voilà donc, les résultats des graines. Voilà. Les jumelés, donc c'est pour exhorter mes frères et sœurs. Pour toutes sortes de graines, tu as laissé ça. C'est bon? C'est une chance qu'on a de connaître le Dieu de Papa Florian. Si tu n'avais pas ce Dieu là. Voilà. Aujourd'hui, alors là, il était plus mon mari. Ouais. Donc c'est pour vous dire que souvent là, nos parents sont nos sorciers, comme des gens même qu'on ne connaît pas. Oui. Soyez, je vais vous dire pour dire quoi, soyez vigilants. Vous pensez que votre Europe, ça fait 15 ans, 20 ans, vous pensez que c'est vos parents. Qui vous a donné des cadeaux? Qui vous a fait des offrandes?
qui vous a salué, qui, en tout cas, soyez vraiment vigilant. Quand quelqu'un vient vers vous, invoquez rapidement Dieu pour faire, Dieu pour faire. Si la personne, c'est pas quelqu'un de bonne foi là, qui s'éloigne de moi, ayez toujours le Dieu pour faire dans votre bouche. En tout cas, moi, il m'a vraiment, vraiment sauvé. Parce que actuellement là, j'étais, c'était fini. Parce qu'elle-même, elle est finie complètement, elle est finie. Elle est tombée, comme on dit, cacao de Ghana là. C'est comme ça que la dame là, elle est tombée. Donc, c'est pour vous dire que soyez vraiment vigilant. Les médicaments là, c'est éphémère. Là, jusqu'à même, en tout cas, je l'ai pris même comme une. Elle me disait qu'on lui a demandé d'enterrer un mouton vivant qui est en gestation vivant. Et tellement que les gens veulent la rue, il n'y a pas effet. Au fait, elle fait, mais il n'y a rien. Oui. Tout c'est bien qu'elle avait en Afrique. Elle m'a dit qu'elle avait des terrains. Elle a tout vendu pour faire toujours ces trucs-là. Mais ça ne va pas. Donc, soyez vraiment vigilants. Surtout vous qui êtes à la... Ici aussi, ça existe, mais vous qui êtes à la diaspora, soyez vraiment vigilants. Oui. Quand vous donnez un cadeau, demandez pourquoi vous avez donné ce cadeau. C'est quoi l'objectif de ce cadeau? Cherchez à savoir. Ne prenez pas les choses parce que... Voilà, il faut les prendre. Soyez vraiment vigilants. En tout cas, c'était pour vous exhorter. C'est vraiment sérieux ce qu'ils ont donné de dire. C'est parce que ça a duré un peu que l'émotion. Sinon, ça m'avait vraiment cassé. Ça m'avait ça a ouvert les yeux. Hein? Oui, ça m'a ouvert les yeux et puis ça m'a cassé. Donc vraiment, c'est une exhortation que je vais vous faire. Je pourrais garder pour moi, mais j'ai dit non, il faut que je vous dise aussi. Que ce soit ceux qui sont ici, par exemple, c'est vrai, l'état de la diaspora, mais ça peut être ici aussi. Oui. Les gens qui nous font les cadeaux. Qui sait ce que la personne a mis dans la bille ou bien dans le truc qu'il vous a donné. Voilà. Alors que c'est même dans la vie même active, c'est mon ami. Ah, j'étais avec ma copine, il y a vu chaîne, j'ai aimé, il a payé pour toi. Ou bien il y a vu parfum, il a payé pour toi. C'est pas tout cadeau qui est cadeau. En tout cas, soyez vraiment vigilants. Donc, c'est ce que je voulais dire. Gloire soit rendue à Dieu de Papa Florian vraiment. Qui t'a envoyé, qui t'a ramené avec ce joli bébé. Voilà. Bon, comme elle pleure trop, là, un peu. Voilà. Pleure trop. Donc, pourtant, c'est une petite qui est éveillée. Qui parle, mais bon. Elle ne veut pas. Donc, voilà. Merci d'être venu. Mais... Et bon retour. Merci beaucoup, Papa Fendi. Okay. C'est vraiment gentil.